Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, 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 je m'en fous. Lui ou un autre pour me réchauffer l'hiver, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Il faut dire oui, ensuite chacun fait comme il veut. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. C'est moi qui suis partie, c'est moi qui ai crié, tapé des pieds, accusé pour pouvoir claquer la porte. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. J'aime bien claquer des portes, ça ponctue, ça finit la phrase, c'est musical. Bla, 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 boum. Ça ne laisse pas de place à une dernière phrase de l'autre là qui risquerait d'avoir raison, d'argumenter, d'en remettre une couche. Clac, boum, point final. Le plus difficile, c'est de faire les valises en continuant de crier. Il faut penser à ne rien oublier. Les vêtements, les affaires de toilette, les produits de beauté, les chaussures dans le placard, les papiers sur la commode, les livres au pied du lit. Il faut penser à tout. Et il faut garder le rythme. Continuer à poser la voix au plafond tout en ayant un semblant de cohérence dans le discours. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. J'ai oublié le double des clés de ma voiture. Je déteste perdre mes affaires ou les laisser à un endroit où je sais que je ne pourrai pas retourner les chercher. Dans l'agitation du moment, je n'y ai pas pensé. Et même si j'ai vendu la voiture, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve de savoir que mes clés sont quelque part chez lui devenues inutiles. Des clés qui n'ouvriront plus jamais aucune porte, des clés qui ne démarreront plus jamais un moteur, des clés comme un désordre du monde, un vaste bordel. Et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. La voiture, je l'ai vendue à cause de l'odeur. Ça sentait un mélange de lui, aftershave, cigarette, chocolat, insupportable. Chez moi aussi, j'ai tout vendu, le matelas, les coussins, la couette, les draps, les serviettes, les t-shirts pour dormir, tout ce qui pouvait avoir une odeur et tout ce qui le rappelait à mon souvenir. Les meubles du matin, sa brosse à dents, des photos, quelques livres, des disques, un canard en plastique, autant d'objets liés à des photographies mentales. Je m'en fous, 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 je m'en fous. Je suis parano, comme si le passé allait m'attaquer, surgir de nulle part, d'un vase, d'un torchon de cuisine. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je lui ai pas laissé le temps de me retenir. J'ai rempli l'espace d'une longue et unique phrase stridente et j'ai claqué la porte. Boum. J'ai quand même attendu quelques secondes sur le palier pour voir s'il allait venir me chercher, s'il allait courir, continuer la phrase en ouvrant la porte. Et c'est le silence qui a eu raison de nous, cette porte claquée qui aurait pu s'ouvrir de nouveau, et j'aurais crié, mais pardonné, boum, fermé, boum, this is the end, boum, je m'en fous, 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 je m'en fous. J'aurais simplement voulu qu'ils me disent quelque chose là, juste après ce claquement de porte idiot et mes valises. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous.